besoin de rien. Allez papa. Cafard grimpe sur mon oreiller, il susurre à mon oreille, yeah. Es-tu prêt à passer une triste journée? T'as déjà plus un clopo dans ton paquet. Mais c'est Jean qui ne va pas mieux que moi, tellement il a fumé de cigarettes. Miaule et me caresse le bras, y'a pas d'amour à part pour les croquettes. Je fais des pierres, regarde avec mon chat. Je fais des pierres, feuilles, ciseaux toujours sur l'eau. Je fais des batailles, le pouce toujours tout seul. Et si je rigole, je me fous dans ma gueule. Alors, s'il y en a parmi vous qui trouvent qu'on n'est pas très fort pour imiter les poules, on a quand même une circonstance atténuante pour nous, c'est qu'on a grandi en ville, alors forcément, on fait ce qu'on peut, quoi. Vas-y, montre-leur. Ok. Est-ce que vous êtes prêtes? À tous ces petits morceaux qu'on retrouvait étalés dans les rayons de supermarché. À tous ces corps sans cou qui n'ont jamais appris à se tenir debout. Être sorti de l'œuf sans avoir vu le jour, pour finir sous plastique en promotion du jour. Ils sont loin les plaisirs de la tendre basse-cour. À la santé du poulet mort. Les gardiens de la paix, la chanson serait trop longue et il faudrait la recommencer. Mais maintenant qu'on en parle, on peut pas s'empêcher de crier mort au H et à bas la sécurité. Quand elle n'est qu'au service de ce putain de progrès qui calcule notre bonheur en termes de productivité, en nous prenant pour des poulets qui ne font que ce qu'on leur dit de faire, de peur de rôtir en enfer. Comment? Ah, la santé des poulets morts. Ah, la santé des poulets morts. Ah, il la connaît, ça. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite profiter de l'énergie revendicative qui semble s'être installée ici ce soir pour poser un ultime geste militant. Yes. On va fêter la fin du monde. En marche. Allez. La technologie détruit la vie. Et le chant des feuilles dans les arbres s'envole quelque part, ni là-bas ni ici, dans l'actualité des réseaux connectés, nous ne serons plus nulle part. Restez tranquille, on n'a besoin de rien. Allez papa.
Face à face comme ça. Allez, attention, nous allons respecter tous les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique et Thibaut alcoolique vous sera proposé à la fin du conseil. Allez. Allez, bonasse. Excuse-moi, je lasse. Allez. Elle a une belle robe, mais les gens sont dissipés. Dissipés. Elle a une belle robe, mais les gens sont dissipés. Alors, les dissipés, on y va. On y va, super geste barrière, héros du Covid, super geste barrière, héros du Covid, super geste barrière, héros du Covid, super geste barrière, héros du Covid. Pendant le confinement, j'ai appris la guitare. Pendant le confinement, j'ai appris à donner des enfants. Mais pour un mot de travers, on reprenait la porte à coup de pied dans le derrière. Chez la grosse Molly qu'on allait pour boire de la bière. En une après-midi, on cramait son salaire, c'était le paradis. Si on était ses seigneurs, c'est bien parce qu'elle avait vraiment rien à envier à la reine d'Angleterre. On était contents, on cherchait pas midi à 14h. On avait le temps. Qu'est-ce que c'était canon d'aller boire des canons. Même si toute la fine n'était pas forcément, je veux dire canon. Et puis de toute façon, on n'était pas là pour faire des manières. Une fille ou un garçon, pour se rouler des pelles avec les yeux fermés, c'est vraiment pas facile, réussir à dire non. On pouvait bien rigoler, mais pour un mot de travers, on reprenait la porte à coups de pied dans le derrière. Chez la grosse Molly qu'on allait pour boire de la bière, en une après-midi, on cramait son salaire, c'était le paradis. Si on était ses seigneurs, c'est bien parce qu'elle avait vraiment rien à envier à la reine d'Angleterre. On était contents, on cherchait pas midi à 14h. On avait le temps. Qu'est-ce que c'était canon d'aller boire des canons, même si toutes les filles ne l'étaient pas forcément, je veux dire canon. Mais de toute façon, on n'était pas là pour faire des manières. Une fille ou un garçon, pour se rouler des pelles avec les yeux fermés, c'est vraiment pas facile réussir à dire non. Ok, allez, barrez-vous. Chez la grosse Molly qu'on allait pour boire de la bière, en une après-midi, on cramait son salaire, c'était le paradis. On pouvait bien rigoler, mais pour un mot de travers, on reprenait la porte à coups de pied dans le derrière. Chez la grosse Molly qu'on allait pour boire de la bière, en une après-midi, on cramait son salaire, c'était le paradis. Si on était ses seigneurs, c'est bien parce qu'elle avait vraiment rien à envier à la reine d'Angleterre.
On était contents, on cherchait pas midi à 14h. On avait le temps. Qu'est-ce que c'était canon d'aller voir des canons, même si toutes les filles ne l'étaient pas forcément, je veux dire canon. Mais de toute façon, on n'était pas là pour faire des manières. Une fille ou un garçon, pour se rouler des pelles avec les yeux fermés, c'est vraiment pas facile de réussir à dire non. Ah ouais, une envoie. Yeah.